Harry, pourquoi la naissance de Charlotte l'a particulièrement agacé? Les mémoires du prince Harry passionnent les foules depuis leur sortie, tant l'ouvrage est truffé d'anecdotes explosives sur la famille royale. L'époux de Meghan Markle est notamment revenu sur la naissance de sa nièce, la petite Charlotte, dont il ne garde pas un excellent souvenir. Depuis la sortie de ses mémoires, le prince Harry cesse d'attirer les foudres de la famille royale, avec qui les liens semblent définitivement rompus. Blessé et agacé par les propos de son petit frère, le prince William semble lui avoir totalement tourné le dos, tout comme Kate Middleton, qui n'adresse plus la parole à son beau-frère, de qui elle était pourtant très proche. Dans son ouvrage et au fil des interviews, mais également dans le documentaire Netflix des Sussex en 6 épisodes. Le prince Harry a déploré que sa famille n'ait pas accueilli Meghan Markle à bras ouverts, et n'ait jamais cherché à la défendre contre le harcèlement répété qu'elle subissait. Alors que la cote de popularité de Kate et William dégringole, le duc de Sussex ne cesse pas gêné pour continuer à vider son sac en interview. Notamment avec la journaliste britannique Bryony Gordon, à qui il a confié avoir également écrit ce livre pour protéger les aînés de son frère, George et Charlotte. Je sais que sur ses 3 enfants, au moins un finira comme moi, le suppléant. Et ça me fait mal, ça m'inquiète. William m'a fait comprendre très clairement que la vie de ses enfants n'est pas sous ma responsabilité. Et je sais que je vais être crucifié par de nombreuses personnes pour avoir dit cela, c'est tellement sale. C'est si sombre. Et cela continuera et se poursuivra et j'attends avec impatience le jour où nous n'en ferons plus partie, mais je m'inquiète de qui sera le prochain, a-t-il confié. La naissance de Charlotte, un mauvais souvenir pour Harry. Dans ses mémoires, l'époux de Meghan Markle a évoqué ses neveux, et notamment la princesse Charlotte, dont la naissance de... Le regard de pitié abjecte que lui avait lancé son interlocuteur.